the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Oh, I just wanna see where you go. I'll follow, no matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Best part. Say something. If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? Salut, c'est Leslie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up là. Donc en gros, le on va voir beige, je l'avais déjà fait il y a environ un an et je me suis dit pourquoi pas reproduire ce type de vidéo là plusieurs fois quand j'ai vraiment envie de faire un make-up un peu plus chargé, un make-up bien pour un date, pour une soirée, etc. Parce que je sais que vous aimez bien quand on fait tout ce qui est coiffure, make-up et tenue. Donc là pour le coup, je vous ai vraiment fait les trois. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Bon, du coup, je vais commencer par les cheveux. Donc, comme je vais sûrement laver mes cheveux, à mon avis, ce soir ou demain, j'y vais essayer de plaquer mes cheveux. Donc, pour ça, j'ai acheté une cire de Crazy Pouce et une brosse comme ça. Donc avant d'attaquer avec la cire, je vais mettre la dose de gel. Ensuite, je vais aller mettre la cire. Bon, ensuite je prends des petites mèches comme ça que je vais venir enrouler petit à petit en dessous de mes cheveux. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un foulard que je vais mettre autour de ma tête pour bien plaquer le tout. Alors je vais en prendre ma base de chez Fenty Beauty. Ensuite, je vais dessiner mes sourcils avec mon aquabrow. Donc maintenant que j'ai bien préparé mes yeux avec de l'anti-cerne et de la poudre, je vais venir utiliser un fard de transition. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre ce fard là et un pinceau un peu plus boule comme ça. Avec un pinceau estompeur, je viens prendre cette couleur là. Ensuite là je prends un pinceau sans rien dessus et je vais venir flouter les bords au niveau de mon œil. Donc en haut là. Et je fais pareil de l'autre côté. Maintenant je vais venir prendre ce violet là qui est encore plus foncé. Et là je vais venir alors marquer le creux de mon œil et ainsi qu'intensifier le coin externe de ma paupière. Donc là pour faire ça, j'ai un 230 de chez Zoeva. Et je vais aussi un peu en mettre dans le coin interne de mon œil comme ça. Voilà. Ensuite pareil dans le coin interne et externe. Alors maintenant je vais venir vraiment estomper tout ce qu'il y a à estomper tout simplement. Donc pour qu'en fait les traits soient vraiment, ils se fondent les uns avec les autres et éviter qu'il y ait trop de démarcation.
Bon, là, j'ai vraiment estompé pendant super longtemps. Donc voilà, n'oubliez pas que dans les tutos YouTube, vraiment, on accélère, on coupe et tout. Donc c'est vraiment un facteur à prendre en compte, surtout pour ce genre de make-up là. Alors ensuite, je vais prendre un petit peu d'anti-cerne. Sans ouvrir l'œil pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, je mets du Fix Plus sur mon pinceau. Et je vais prendre ce doré de ma palette Main Muette Cosmétique. Là, je reprends mon petit pinceau boule de tout à l'heure. Et je vais encore une fois flouter un petit peu les bords. Et je vais reparler de l'autre côté. Donc là, j'ai même pas rajouté de matière. Ok, c'est parfait. Donc là, on va repasser un petit peu au teint. Donc je vais retirer le foulard. Alors à chaque fois que je fais mes baby hair, après quand je retire le foulard, ça ressemble plus à rien. C'est vraiment pour ça aussi que j'ai acheté la cire. Donc là... Oui, c'est resté. Donc là, je vais prendre mon Total Control de chez NYX en teinte 12,5. Là, je vais venir estomper tout. Tais-toi, on m'a dit là, t'es pas dans la vidéo. Vous voyez clairement la différence entre mon fond de teint et mon teint. C'est parce que comme j'ai un petit peu bronzé normal avec la chaleur et tout, ça fait que là, le fond de teint, il est un peu trop clair. Mais je vais venir rattraper ça avec mon bronzer tout à l'heure. Alors, comme d'hab, je mets un petit peu de Fix Plus sur mon Beauty Blender. Là, on retire toutes les traces de pinceau et on fait bien tenir le make-up. Et j'aime trop ce que j'ai fait sur mes yeux. Alors ça faisait tellement longtemps que j'avais pas utilisé du rose sur mes yeux. Alors parce que je me rappelle, avant je faisais plein de make-up. J'ai fait plusieurs fois de suite des make-up assez dans les tons rosés et tout. Et après on a commencé à grave dire que je faisais tout le temps le même maquillage. Du coup après, depuis, je vous jure, hein, depuis qu'on m'a dit ça, j'ai plus jamais quasiment fait de rose sur mes yeux. J'y pensais même pas en fait. C'est juste quand je l'ai vu, je me suis dit, ah tiens c'est vrai, je vais essayer d'autres couleurs. Et après j'ai complètement laissé tomber le rose. Alors qu'en vrai, un make-up rose, ça rend trop bien. Prendre massage à buttercup, donc étape super importante pour bien faire tenir le make-up et surtout pour que l'ancien ne bouge pas. Alors ensuite je vais venir creuser mes joues, donc faire mon contouring. Donc je prends mon stick Fenty en teinte truffle. Je vais pas vous mentir, à la base ce make-up là il devait pas du tout ressembler à ça. Genre dans ma tête je voulais faire un truc violet et vert. Mais là plus j'avançais dans le make-up, plus je me suis dit mais comment est-ce que je vais mettre du vert là dedans. Genre je me suis dit que ça irait trop pas, mais à la base c'est ce que je voulais faire. Genre j'avais vu une meuf maquillée comme ça chez Sephora et je trouvais ça trop beau. Mais le plan il a grave échoué. Mais bon en vrai je suis quand même trop contente de ce que ça donne. Un peu de Fix Plus sur ma Beauty Blender. Je repasse sur la totalité de mon visage. Fini par le mascara, donc le super héros de chez It. Regardez, là j'en ai mis que d'un côté et vous voyez la différence de ouf. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. Oh, I just wanna see. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something?
Donc j'ai choisi deux outfits différents. Donc le premier c'est avec une robe qui vient de chez Pretty Little Things et des talons qui viennent de chez New Look. Et le deuxième look c'est un pantalon qui vient de chez Fashion Nova, un petit crop top qui vient de chez Forever 21, avec une veste crop top aussi qui vient aussi de chez Forever, et des talons qui viennent de chez Bershka. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine vidéo. Ils veulent fils, y'a Amber Rose, Amber Rose, Amber Rose. Autour d'un petit verre de rosé, verre de rosé. Ils veulent fils, y'a Amber Rose.